en la... septième, je crois, au classement, donc très très loin de la Biélorusse, elle était archi favorite, un peu tendue, même très, et ça a permis à Pauline de ne rien lâcher et de gagner. Magnifiquement sauvé, elle est ainsi. Jankovic, elle avait fait un gros match, perdu en 3-7 à Los Angeles. Dernièrement à Luxembourg, elle a... Oh oui, bien parti. Très bien. C'est bien touché, tactiquement très juste de la part d'Azarenka. Ouh, que c'est bien joué, bien... Ça touche. Et oui. Ah oui. Et oui, ça prend peu. Bien. C'est terrible, ça y est, pour Victoria Azarenka. À bout de souffle, au bout du suspense aussi. Et c'est peut-être un petit peu le coup droit qui a lâché du côté de la Russe. Mais... Bien emmené.
l'acrobatique. Quel des schémas de jeu qu'elle maîtrise. Ça tient, ça reste dans le court. Aya Sharapova va en revanche sur le court. Oui, entre autres, elle le donc prend. Donc il a dû l'avoir joué assez souvent aussi. Voilà, ça reste dans le court. C'est vraiment tout qui sourit maintenant à Azarenka. La mortie s'est vraiment joué à contre-temps. C'est complètement perdu là. Bien joué. Oh, terrible. C'est mal fait. Ça c'est termine terrible. Sur une double c'est faute. Terrible. Oui, la septième dur, double hein. faute, mais la joie totale pour Victoria Azarenka. La plus belle victoire de sa carrière, assurément, devant Martina Hingis à l'US Open, puisque Sharapova a été comme la Suissesse numéro 1 mondiale, mais qu'en plus, elle est toujours dans le top 5. Elle est battue en plus.